les liens entre les objets, c'est quelque chose qu'on fait depuis le début déjà. Et quand on a fondé Community Things, on avait des différentes idées. On a lancé aussi différents projets avant de démarrer vraiment les smart parking. Le côté Internet of Things est pertinent. Le capteur est encastré dans le sol et ce capteur récolte des données. D'abord, s'il y a une voiture qui est stationnée dessus ou pas. Ensuite, la durée des temps que chaque véhicule est stationné. L'application nous permet déjà de savoir où il y a des places de parking et ça nous guide vers ces places disponibles. Et puis, on arrive aussi à fournir des statistiques qui peuvent servir les parking managers du parking ou de la ville et pour apprendre mieux comment planifier le stationnement urbain. Il faut avoir une vision concrète et il faut les poursuivre d'une façon persévérante. Il faut surtout trouver des très bons partenaires. Orange Fab, c'est un programme qui va accélérer notre croissance commerciale en essayant d'atteindre les visions actuelles, mais aussi revoir notre vision vers des autres chemins qu'on n'a pas envisagés dès le début. On pouvait identifier avec eux des projets dans des domaines qui sont complémentaires aux pratiques, comme par exemple la gestion des flottes de véhicules. Donc, le programme Orange Fab est là pour aider les jeunes entreprises justement d'accroître et de réaliser des objectifs commerciaux de façon plus rapide et dans une échelle plus grande durant une durée très limitée.